everybody. Bienvenue dans les tutos de Huito, les tutos qui font du bien aux abdos. How are you doing? Alright guys, thanks very much for tuning in. Merci d'avoir pris le temps de cliquer sur la vidéo. On va travailler aujourd'hui sur un aspect, encore une fois, extrêmement important de la langue, les chiffres et les noms, numbers. Alors, pourquoi travailler les chiffres? Pourquoi travailler les nombres? Si vous ne maîtrisez pas cet aspect de la langue, vous allez vous trouver dans des situations compliquées dans un pays étranger. Pour utiliser l'argent, si vous ne voulez pas vous faire avoir dans les pays étrangers, il faut maîtriser les chiffres et les nombres. Pour maîtriser l'heure, si vous ne maîtrisez pas les chiffres, vous ne pouvez pas dire l'heure. Si vous ne pouvez pas dire l'heure, vous avez une vie sociale très réduite, vous ne pouvez pas avoir de rendez-vous, vous pouvez rater votre train, vous pouvez rater votre bus. C'est nécessaire de maîtriser ces choses-là. Alors vous allez me dire, tout le monde sait compter jusqu'à 10, tout le monde sait compter jusqu'à 100, mais moi je vais vous apprendre à bien compter, d'accord? C'est pas le tout de savoir dire 1, 2, 3, il faut savoir bien le dire, bien le prononcer, on est là pour bosser notre accent et essayer d'avoir une langue la meilleure possible. Alors sans plus attendre, on va commencer à compter de 1 jusqu'à 12 dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi. 1 2, 3. Attention au 3, le son TH se prononce en mettant le bout de la langue sous les deux dents de devant. Ça fait donc 3 et non pas 3 ou bien 3. C'est bien le son TH. 3. 4. On n'entend pas le R de 4. 5. 6. Attention à 6, c'est pas le I français, c'est pas 6, c'est pas le E non plus, c'est pas le E accent aigu, c'est pas 6, c'est vraiment un mélange entre les deux. 6, 7, attention, on va accentuer sur la première syllabe. 7, 7, 8, 9, 10, 11. Attention, on va accentuer sur la deuxième syllabe. Écoutez bien. 11. 11. On insiste sur le lait. 11. 12. Alors, une fois cette première étape franchie, il va falloir vous entraîner à la dire. Vous répétez ces chiffres-là autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que ça rentre, en essayant à chaque fois d'avoir à la fois la bonne prononciation, en écoutant le modèle que je vous propose, et la bonne accentuation. Rappelez-vous, la langue anglaise est une langue accentuée, je ferai une vidéo exprès là-dessus, mais ça commence avec des choses très simples. Dès qu'on dépasse deux syllabes, comme seven, il va falloir faire un choix. Est-ce que ça va être le se ou est-ce que ça va être le fun? Si vous vous souvenez de ce que je viens de dire, on va insister sur la première syllabe, seven. Dans eleven, le français est une langue non accentuée, donc on prononce toutes les syllabes avec la même intensité. L'anglais, dès qu'on dépasse les deux syllabes, il y en a une d'accentuée. Eleven, on va insister sur la deuxième, ça va faire eleven. Et vous sentez immédiatement qu'en accentuant la langue, votre accent et votre manière de parler va légèrement se décaler entre un accent français et un accent anglais. D'accord ? Deuxième étape. On va apprendre à compter de 13 jusqu'à 20. Ok? Comme tout à l'heure, je vais compter et je vais faire des petites remarques sur la prononciation. Here we go. 13. 13. À nouveau, on retrouve le TH. Th. 13. Et on n'entend pas le R du milieu. Th. 13. 14. 15, 16, 17, on insiste encore sur le 7, 17, 18, 19, 20. Vous avez sans doute remarqué le point commun des chiffres situés entre 13 et 19. Ils se terminent tous par la terminaison teen. Et c'est cette fois-ci un i long.
Le i a une certaine durée. C'est pas le i français, c'est le i. Il a une certaine longueur. Ça va nous donner des indices pour reconnaître les chiffres. 16, 17, 18. Ok? Il est temps désormais de réviser les dizaines. Donc on va aller cette fois-ci de 20 jusqu'à 90. Alright, let's go. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Là encore, vous devez remarquer que tous les chiffres des dizaines ont un point commun. Ils se terminent tous par T. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un I long comme teen, mais d'un I court, T. 60, 70, 80. Vous sentez la différence entre le teen et le T. Une fois que vous savez faire ça, vous savez compter de 1 jusqu'à 99. Pour ajouter une unité, c'est très simple, il suffit d'associer une dizaine et l'unité correspondante. Par exemple, si vous voulez dire 25, vous dites 25. Pour 42, 42. Pour 78, 78. À l'écrit, les dizaines et les unités sont séparées par un tiret. Je vais attirer maintenant votre attention sur le petit tableau qui va s'afficher sous vos yeux. Il s'agit d'un tableau de correspondance qui va vous permettre de mieux comprendre cette différence entre le i court et le i long. Alors, dans le tableau, vous apercevez que il y a une sorte de relation entre les chiffres situés entre 13 et 19 et les chiffres des dizaines. On s'aperçoit que 13 a son équivalent en dizaines, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, etc., etc. Donc là, vous vous rendez vraiment compte que si vous entendez le son in, il s'agit des chiffres entre 12 et 19. Si vous entendez la terminaison t, comme 50, vous allez directement savoir qu'il s'agit de la dizaine 50. D'accord ? C'est un petit truc pour ne pas se tromper justement dans la vie de tous les jours entre 15 et 50. Si un commerçant vous dit « Oh, that's 50 pounds, 50 pounds », vous allez forcément au début hésiter entre 50. Est-ce qu'il m'a dit 15 ou est-ce qu'il m'a dit 50 ? Mais comme vous avez entendu 50, le i court, il s'agit de 50. En revanche, si un autre commerçant vous dit « Oh, that's 13, 13 pounds, 13 », alors là, du coup, c'est à vous de tendre l'oreille et d'entendre le « i long »,« 13 », et le « n » à la fin, « 13 », qui va vous mettre sur la voie, et vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit de 13, ok ? Vous remarquerez sans doute que j'ai souligné quelques petites choses dans ce tableau. Alors, j'attire votre attention sur quelques petites modifications d'orthographe. Alors, vous savez que « 5 », ça s'écrit avec un « v », mais on passe à 15 avec un F, donc le VE se transforme en F. 15, on ne dit pas 15, mais 15. Et du coup, on va dire 50, ok? Deuxième petite chose, 4, le chiffre 4, 4 s'écrit F-O-U-R. 14, on va garder F-O-U-R, mais attention à 40, 40, le U disparaît. F-O-R, 40. Oui, bon, d'accord, il suffit de regarder les étiquettes. Mais parfois, on n'a pas d'étiquette. Et on a besoin de comprendre les chiffres tels quels. Dernière étape pour aujourd'hui, on va apprendre à dépasser le chiffre 100. Ok, en anglais, le chiffre 100 se dit 100. 100. Alors, on a un H, tous les H en anglais, sauf quelques petites exceptions, se prononcent. Donc, il va falloir faire le son H. Ok, hun. Et ensuite vous faites le son drud. Hundred. One hundred. 100. Et ensuite vous allez associer le 100 et le chiffre que vous voulez dire. Mais attention, en français on va dire par exemple 124. 100 auquel on va coller 24. Directement sans rien. Les Britanniques en particulier
vont utiliser le 100, ils vont utiliser le 24, mais au milieu, ils vont venir placer and. Donc ils vont dire 100 et 24. 124. Donc prenez bien cette habitude de rajouter and entre les centaines et les dizaines. Par exemple, pour dire 452, 452. Petite remarque quand même, les Américains ont tendance à enlever ce and. Ils vont vous dire 122 et non pas 122. Les tutos d'Uito, c'est fini pour aujourd'hui. Thank you for your attention. I hope to see you soon. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était le but. Continuez à vous entraîner, continuez à répéter. La remarque que j'ai faite concernant l'alphabet la dernière fois, c'est-à-dire de déplier tous les mots que vous voyez écrits, fonctionne aussi pour les chiffres. C'est-à-dire que tous les chiffres que vous voyez notés dans la vie de tous les jours, dans une recette à la télé ou ailleurs sur internet, dites-vous tiens, comment est-ce que je dirais ce chiffre-là en anglais? Et vous allez voir que vous allez progresser à vive allure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Continuez à vous abonner à ma chaîne. Il y a déjà 5 abonnés au tuto d'Uito. Je les félicite tous ces gens-là. C'est des gens courageux, ils ont cliqué sur le petit bouton. Et ça veut dire qu'ils vont recevoir les vidéos toutes fraîches sorties du four. Partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux. Venez faire un tour sur la page Facebook du tuto d'Uito. Je vous l'ai dit la dernière fois, vous ne serez pas déçus. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Have a nice day. See you later.